Bienvenue dans cette vidéo de sécurité informatique. Cette vidéo a pour but de vous présenter un moyen de garder à jour votre poste de travail, de vous faire une démonstration pratique. Je vais vous présenter le Microsoft Store. Le Microsoft Store est intégré à Windows 10. C'est la chaîne de magasins de Microsoft. Les fonctions de Microsoft Store sont de mettre à jour les applications dédiées à Windows 10, d'acheter des logiciels et de les lier à votre compte Windows. Passons maintenant à la pratique. Pour accéder au store de Microsoft, allez dans le menu Démarrer. Soit vous avez l'icône Microsoft Store juste ici, si vous ne le voyez pas présent, marquez Store dans la barre de recherche. Et vous devrez le voir apparaître. Cliquez dessus. En cliquant dessus, la fenêtre de Microsoft Store devrait s'ouvrir. Différentes informations sont disponibles sur la page d'accueil du Microsoft Store. Les différentes applications qui peuvent être installées. La partie recherche en haut à droite, votre profil, le nombre de mises à jour que vous pouvez effectuer, et les paramètres, signalés par trois petits points à l'horizontale. Si vous voyez cette icône, c'est que des mises à jour sont disponibles sur l'application Microsoft Store. Je vous invite à cliquer dessus. En cliquant dessus, une page se charge et vous montre les différentes applications qui peuvent être mises à jour. Cliquez sur « Obtenir des mises à jour ». Certaines mises à jour pourraient apparaître suite au démarrage de votre PC. Laissez votre ordinateur chercher les mises à jour. Une fois les mises à jour trouvées, les mises à jour se lancent automatiquement. Vous voyez les mises à jour se faire en ce moment. Laissez votre ordinateur faire toutes les mises à jour. Et une fois toutes les mises à jour effectuées, vous pouvez voir la date de quand elles ont été faites. On peut voir qu'elles ont été faites il y a quelques instants sur certaines mises à jour. Une fois les mises à jour terminées, en bas à droite, vous avez le nombre de mises à jour effectuées sur le store. En règle générale, les mises à jour se font automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Vous avez la possibilité de modifier cette option. En allant des trois points à l'horizontale en haut à droite, en cliquant sur Paramètres, la deuxième option. En cliquant sur les paramètres, vous pouvez voir que la première option est Mise à jour de l'application. Mettre à jour les applications automatiquement. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Par défaut, il est activé. Moi, je vous invite à le désactiver pour éviter de surcharger votre ordinateur au démarrage. Une fois que vous avez fini de paramétrer le Microsoft Store, je vous invite à fermer sa page. Nous avons fini avec cela. Je vous remercie d'avoir consulté ce tutoriel.